camion chassait les papillons d'Afrique. Les cannibales en le traitant d'espion l'arrêtèrent sans façon de suite. Il essaya de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler d'effroi. Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Il leur montra son briquet, son stylo, ça montrait les photos de sa femme. Il leur chanta un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur fit voir des journaux de Paris, personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des revues, remplies de filles toutes nues, et dit: Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir.